On avait considéré ce match comme un entraînement parce qu'il est vrai qu'on n'a pas travaillé du tout tactiquement. Notamment, ça s'est vu en première mi-temps avec les nouveaux joueurs et les jeunes joueurs. À partir du moment où il y a des joueurs qui connaissent un petit peu le système, c'est un peu plus facile. Mais voilà, bon, c'était 2 fois 45 minutes où il y a une revue d'effectifs qui a été faite avec beaucoup d'applications, j'ai trouvé. C'était un match intéressant, mais au bout d'une semaine d'entraînement, on ne peut pas faire vraiment de conclusion. C'est des formes d'entraînement, donc on demande beaucoup de courses. On regarde aussi techniquement la capacité à pouvoir faire des choses intéressantes. Et puis on a vu des belles choses, on a vu des choses très intéressantes. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite largement de pouvoir gagner ce match. Après voilà, c'est comme ça, ça fait partie du foot ces matchs-là. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait au bout d'une semaine de voir ce que j'ai vu. Bon, j'ai essayé de faire jouer tout le monde surtout. C'était important que tout le monde puisse avoir un petit peu de temps de jeu parce que quand on fait un match et qu'on est joueur de football, on aime jouer quand même et j'ai donné un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Ouais, je peux pas ressortir quelqu'un, mais c'est vrai que dans le pressing, c'était mieux surtout. Et à partir du moment où le pressing était mieux fait, on a récupéré beaucoup plus de ballons, on a joué plus haut et on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Donc voilà, c'est surtout ça que je vois cet après-midi. Il y a des joueurs malgré tout qui ont souffert aussi parce que les premiers matchs, c'est jamais facile à gérer. Donc là, on va en refaire encore une deuxième semaine de travail assez intense. Mais un match amical au bout d'une semaine et avoir ce contenu-là, c'est toujours intéressant. Dans les deux mi-temps, c'est un match déjà qui s'est bien placé dans l'ensemble. Bon état d'esprit des deux équipes. Je pense que on a les deux équipes bien travaillées. Après, pour être un peu plus précis sur la mi-temps, la deuxième, vu que j'ai joué la deuxième, pour parler un peu de l'Estac, je pense qu'on fait une bonne deuxième mi-temps. On les a gardés assez haut, on a essayé de beaucoup courir, de beaucoup donner et reproposer. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, je pense. C'est le premier match, on ne fait pas vraiment attention au score. Bien sûr, on est déçu d'avoir perdu dans la globalité. Mais sinon, voilà, on reste concentré sur l'objectif qui est la préparation. Franchement, je trouve que ça va. J'aurais pensé être plus fatigué, mais ça va en fait. Plus les minutes passent et plus tu prends le rythme, donc ça s'est plutôt bien passé. On a réussi, bon, on a beaucoup poussé, on aurait pu en mettre plus. Je pense à Krastev qui a 2-3 occasions, moi aussi j'en ai une. Donc je pense qu'on aurait pu être plus réaliste, mais c'est ce qu'on va essayer de corriger sur le prochain match. Il y a beaucoup de nouveaux, enfin il y en a quelques-uns, il y a des jeunes comme on l'a dit, donc c'est toujours le même groupe mais avec de nouvelles têtes et ça va faire du bien je pense le stage. On va apprendre à encore mieux tous se connaître et puis c'est bon pour la cohésion.